Salut à tous, c'était Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une nouvelle vidéo, le futur Messi. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est Dybala, tout le monde le sait. La pépite argentine, je sais pas. En tout cas, la pépite de la Juventus, il est argentin, c'est Dybala. Bon, je l'ai en joueur de prêt les gars, j'ai pas les crédits encore une fois, veuillez m'excuser. 3 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, 88 de vitesse, 90 de dribble, 86 de tir, 76 de passe et 66 de physique. Donc voilà, il a une très 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 belle carte. J'ai repris ce concept du frérot Xiro. Donc les gars, je mettrai sa chaîne tout en haut de la description. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne les gars. Il fait vraiment du bon taf, c'est le frérot. Et donc voilà, c'était son idée. Il m'a dit tu peux la faire, voilà. Donc je la fais sans aucun souci. Et on va partir en div 3 encore une fois. Continuer sur notre très belle lancée. Allez, on voit l'équipe. Oh là là, il a l'équipe de Paris au complet. Avec juste Payet à gauche qui n'est pas de Paris. Il a Matuidi Moustache, Krikovia côté W, Marquinhos Boost, Thiago Silva, Trapp, Di Maria, Cavani. Ouais ouais, il a sorti la grosse équipe. Il a sorti la grosse équipe. Mais nous les gars, on a le futur Messi dans l'équipe. Et je compte bien lui faire savoir, lui montrer qu'il est là. On va tout de suite commencer dès l'engagement. Allez, avec Cuadrado, excellent, allez allez. T'es parti, face au but, le futur Messi. Tu me finis ça et Trapp, il est sur la trajectoire. Dommage. Non 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 non. Bien joué Farman. Wesh. C'est quoi cette tête décroisée qui m'a fait là? Excellent Dybala, frappe! Oh dommage, ça passe juste à côté. Dommage, dommage, dommage. Ouh la frappe de Cavani, j'arrive pas à passer sa défense. Et moi je défends mal ou c'est lui qui attaque bien, je sais pas. Mais là, je suis dans une phase de jeu mal. Une mauvaise phase de jeu, pardon. Bon, c'est la mi-temps, on se fait totalement mener de bon temps comble. 4 tirs, 1 cadré pour moi, 4 tirs, 3 cadrés pour lui, il a mis un but. Il a une bonne équipe, j'ai une bonne équipe également, c'est pas ça le souci. C'est juste que voilà, il a un style de jeu, il défend bien, enfin je sais pas, j'arrive pas trop. J'ai eu une grosse occasion en première mi-temps, je l'ai pas transformé, donc voilà. Je me suis directement fait punir juste après. Et voilà, la lucarne de Cavani, let's go! Allez! Alors, mais regardez-moi ce but, les gars. Je vais même pas le fêter. Regardez-moi ce but. Il est tout seul face au but. Il n'y a plus de gardien. Il frappe sur le poteau. Attrape le dos du gardien et ça rentre. Arrête, gros. Arrête, Cuadrado. Qu'est-ce que tu me fais là? Mais bon, ça va. On revient. 2-1. Ce serait pas mal d'égaliser. On perd le match, les gars. Franchement, il y avait moyen de faire un match nul. Au moins, accrocher un match nul. Mais j'ai pas réussi à conclure devant. Dybala, franchement, je l'ai pas trouvé. Voilà, il est bon, il doit être bon si tu joues à la vitesse avec lui. Mais voilà, après, quand tu veux jouer Gab. Mais bon, après, voilà, quand tu veux jouer Gab, voilà, c'est pas le meilleur des attaquants. Il reste bon dans la finition, etc. Bon, même si j'ai pas marqué de but avec lui, ses stats le prouvent. Voilà, après, j'ai pas été dans mon match aussi. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. C'était Tezax, à la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care.